frangin, je t'ai pas dit. Non, dis-moi. Cédric, il a abandonné son pote pour une meuf. Encore une meuf? Mais frangin, ils étaient potes depuis l'enfance. Toujours les meufs. Mais c'est la vérité. Toujours la vérité. Eh mon gars, moi j'ai toujours dit, les potos avant les meufs. Moi j'ai dit, frangin, on va commencer à rayer des négros de la liste. Faut les rayer, faut les rayer. Faut les rayer, frère. Donc si lui il a fait ça avec son pote, avec moi il va faire quoi? Après c'est toi, c'est moi. Mais non, mais arrête tes conneries, moi je te dis la vérité, ça va plus, franchement j'ai le seum. Franchement il faut qu'on ait cette solidarité. Une fois qu'il voit une paire de fesses, un curly qui dépasse, allez bam, oh, vas-y, on se transforme en une autre personne. Ça se transforme en canard. Quoi, 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 quoi. Moi j'ai la vérité, frangin, tu sais quoi, moi j'ai le seum. Vas-y, accompagne-moi chez le paquet, je vais acheter un sneaker, là, je la donne. Frangin, regarde cette voiture. Excusez-moi. Oui. En quoi pourrions-nous vous aider? En fait, je suis pas du tout du coin et je cherche juste l'atomium. Laisse-moi te dire un truc avant tout, hein. Mais qu'est-ce que t'es bonne! Mais c'est une blague en fait. Tu sais à qui tu t'adresses avant de parler comme ça. Et en plus, de toute façon, c'est toujours les moches qui doivent ouvrir leur gueule. Regarde-lui! Mignon, beau gosse, il parle pas. Franchement, je comprends même pas qu'est-ce que tu fais avec lui. En vérité, viens, monte dans ma caisse, viens, on se casse. Oh, t'attends quoi là? Ma caisse est full option? Je suis full option? Tu vas te marier avec lui? Brian, je rêve ou quoi? T'es en train de douter? Non, je doute pas! Quoique, il n'a pas tort. Je viens d'être pris au piège. Soit mon poteau avec qui j'ai passé toute mon enfance, avec qui j'ai eu les meilleurs moments et qui a toujours été là pour moi quand j'avais besoin de lui. Soit une meuf qui débarque avec ses curly et une belle bagnole qui peut faire oublier mon célibat. Je dois faire un choix immédiatement. Ouais, c'est vrai, frère. Quand on regarde bien, elle a quand même un peu raison. Comment ça, c'est vrai? On a eu la couverture il n'y a même pas deux minutes. Mais frère, on a parlé de solidarité, hein, et de priorité. Mais là, on parle carrément de respect, frère. Exactement, le respect. Bon, tu montes ou... Mais lâche-moi, putain, lâche-moi. Mais lâche-moi. Lâche-moi, putain, putain. C'est ça le problème de vous, les Renois. Vous oubliez le respect. Le respect, c'est important. Eh ben chapeau, franchement, tu conduis quand même un gros calibre, hein. Franchement, pour une meuf, c'est vraiment tellement rare. Oh là là, franchement. Merci, c'est gentil. Je me suis juste arrêtée ici parce qu'il y a une amie qui va arriver dans une minute. Ah ouais? Il est où? Comment la famille? Ça va, ça va. Ça va et toi, Dimitri? Donc vous vous connaissez? Ah ouais, et c'était un test. Non. C'est pour voir si c'est pas un écrou comme tous les autres. Toi aussi, on va te créer de la liste, hein. Vas-y, ouais. descends de ma caisse. Ah, donc c'est ta voiture? Bah oui. En fait, c'était moi aussi, c'était une mise en scène, frère. Ouais, c'est ça, descends de ma voiture. T'es sérieux? Frère, c'est pas ce que tu crois. Ouais, je vais savoir. En tout cas, franchement, grand merci, c'était un bon boulot que t'as fait là. Y a pas de problème. Et si t'as besoin de la voiture, je te laisse quand tu veux.